Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Shinai. Bonsoir Shinai. Bonsoir. Voilà, je vais améliorer la constitution de Châtaigne. Châtaigne est donc maintenant un poney de niveau 9. Impressionnant ou pas? Impressionné. Je viens de m'apercevoir que l'on est en capacité de faire le séchoir à viande une étoile. Eh bien, faisons le séchoir à viande d'une étoile. Ne nous privons point. Ça va nous coûter 100 pièces d'or, mais... on a de quoi payer la troupe. Ouais, il doit faire bien. Wow. Et donc, maintenant, on peut sécher du poisson. Trop bien, moi. Parfait. Trop, trop bien. Et c'est quoi le séchoir à viande niveau 2, par contre? Attends, par contre, j'ai tellement le démon... j'ai 19 anguilles et j'ai un seul putain de chou, c'est-à-dire que le truc, tu sais, qui me donne le bonus d'agilité là, le brouet là, je peux pas en faire parce que j'ai pas de chou. Ah, parce que des choux, on en trouve qu'à un seul endroit dans ce pays de con, donc ça fout le démon. Non, maintenant il y en a de plus en plus, franchement, j'ai été impressionné. Heureusement, parce que c'est un peu ridicule. Artisan novateur, nous avons pris des points, bravo, bravo monsieur. Allons casser des culs, hein. Ouais. Je pense qu'il y a rien d'autre, il y a rien à ajouter, hein. Moi, je te proposerais un truc. Dis-moi. Moi. Et à part ça, on a l'étendard qui nous permet de ne pas être reconnu. On peut faire de l'innocence feinte, tu sais, pour 100 d'influence. On peut ne pas. Oui, ne pas se faire embrouiller par la garde. Alors, je suis parfaitement d'accord. Mais, c'est bien sûr qui marque nos positions, je dois s'en tenir. Exactement. Mais, notre journée est déjà entamée. On va faire un combat. C'est vrai. On va voir s'il faut se reposer et si on en aura besoin ou pas. Parce que là, c'est 100, puis après, c'est 150, quoi. 200. 200 plus direct. Donc là, on a plus assez d'influence. Donc, j'ai envie de le garder pour. C'est une excellente idée, mais il faut y penser quand on sera dans un moment critique, je pense. Voilà. C'est vrai qu'on est plus à 600, on est à 598. Voilà. Par contre, j'ai nommé la troupe le grenier roulant en attendant qu'on choisisse un autre nom. Bizarrement, on n'a pas trouvé depuis. Non, on n'a pas rejoué depuis. Déjà on a rejoué et surtout, le 47 jours de réserve alimentaire. Oui, c'est 40 de trop pour moi. C'est vraiment le grenier qui roule. Hein. C'est 42 trop pour moi. Mais non, ça va. Bon, allons nous battre. Il faut se battre, Bandan. Those slaves are convicted criminals. They must serve their sentence. I order you to hand them over. Okay. You dare claim that among the slaves your people buy, none are farmers kidnapped by bandits. C'est pas faux. It's up to the King of Alizar to prevent that. Not to a bunch of savages still caked in swamp mud. Ooh, ça taille. You there, mercenaries. Help us drive away those wretches. We'll pay you well. Don't believe anything they say, mercenaries. They can't admit that they're abducting farmers in other kingdoms. Ce service par la violence. Franchement, hein. Elle est trop condescendante, cette dame, hein. Faut qu'elle meure, hein. Alors, il y a le bandeau de travailleurs ou les tempes. C'est pas ce que tu veux. Ouais, mais moi, je vois surtout le... Alors, c'est peut-être un bug d'affichage, hein. Mais, ils ont pas de troupes avec... Hein? Avec eux, les... ah oui, c'est un bug d'affichage. Alors, elle a 3 sagittaires... 2 recrues, 2 colosses, 2 séides. Ouais. Et ensuite, elle a un séide aguerri, un factionnaire aguerri, une recrue aguerri, un colosse aguerri et un dernier factionnaire. Et l'autre, il a quoi? Et l'autre, il a 2 abatteurs aguerri. Ouais, il est pas 2 coureurs, 2 sangliers, 2 loups, 2 pisteurs, un bloqueur aguerri. Un pourchasseur aguerri, un ours et un sauvage. Je sais ce que fait l'estampe. Le bandeau de travailleurs, je sais pas.
C'est pas les stamps, c'est les tempes. Ça fait quoi les tempes? Les tempes, ça te permet de. C'est un truc pour la forge qui te permet de faire un truc avec. C'est pour la forge, c'est pour les forgerons. Ok, mais ça ne dit pas. Je sais pourquoi, je sais pourquoi est utilisé les tempes, mais pas parce qu'elle fait exactement. Et il y a le bandeau de travailleurs. On recevrait des crocs en parfait état. Ou 30 balles et de l'influence. Ouais. Politiquement, moi, j'aime pas la condescendance de cette dame. Voilà. Ok. Voilà, c'est mon avis sur la question. Eh bien. Puis l'autre monsieur, il a un nonoche. Donc, Ouais. Voilà. Puis moi, amener la démocratie à coup d'esclavagisme, je trouve pas ça très politiquement trop, très, très, très beaucoup correct. Mais bon, voilà. C'est mon avis avant tout, hein. Ouais. Alors. Il y a du placement et du replacement à faire, à mon avis. C'est quoi leur bonus critique contre les cibles engagées a augmenté de 50%. Okay. Va falloir éviter de s'engager trop souvent. Tant que les unités n'ont pas de garde, leur attaque inflige vulnérabilité. Ça, c'est chiant aussi. Donc, quand on va leur baisser la garde, ils vont nous infliger vulnérabilité. Il y a un pack en bas qu'on pourrait facilement se péter. Ils ne sont que 15. On pourrait facilement descendre tout le monde en bas en plus. 1, 2, 3. Et il y en a un autre. Il y en a un autre de 5 en bas à gauche. 4, 5, 6. On peut descendre tout le monde en bas si on veut. Ouais, et en bas à gauche, ça ferait que le pack de bas gauche, là, en bas à gauche, là où il y a le capitaine en plus, serait guaqué totalement. Ah bah ils sont bien baisés avec leur arc et tout, hein. Ils sont partis pour faire une bonne promenade quoi. En fait ça nous permet de littéralement bully un groupe par un, enfin tout du moins déjà tout un groupe de 5. On pourra bully un groupe de 5 si on a envie. Ouais. Les gens qui donnent des bonus, ça donne du bonus, ça vient par là. De Bard on s'en fout un peu. Le capitaine, il est où l'autre con là? Il est par alors là. J'ai descendu tout le monde. Je virais un lieutenant, voilà, ça on s'en fout. Ah ouais, mais on a du monde avec nous en fait. Ouais. Ouais, ouais, on est pas mal, hein. Ah ouais. Ouais. Il est où le nounours? J'ai pas vu le nounours. Je vais voir le nounours, il est où le nounours? C'est pas ça, j'ai pas vu. Moi je veux sauvegarder le nounours. Price force de nounours. J'ai pas vu le nonoche. Je me suis fait douiller, il est où le nonoche? Moi je suis venu pour le nonoche, hein, y'a rien d'autre, hein. Le reste n'existe pas. je vois pas de nonoche moi. Boum. Je vais mettre ma vie plutôt par là. Lieutenant Will machin, on est bon. Siliane est A. Faudra qu'elle augmente notre move, ça serait bien qu'elle soit pas trop loin. Sur le côté droit, faudrait plutôt mettre des mobilettes, tu vois. Genre ça dégage. L'abatteur, ou des mecs qui servent à rien, genre des mecs à eux, genre je mets un abatteur ou tu mets un abatteur ou un bloqueur quoi, tu en mets un pack de mecs qui servent à rien quoi. Voilà. Il me reste 2-3. Pourquoi Stevie il est derrière un mec débile? Tiens, les mecs débiles tu restes derrière. T'es trop nul, t'es débile. Il est où le nonoche? On veut le nonoche. Il est où le nonoche, putain? Y'a pas de nonoche. Vraiment, on aurait dû vous laisser crever. Hein. Mais ça veut dire qu'ils réduisent en esclavage les nonoches? Non, c'est des enfoirés. Hein. On peut pas laisser faire, hein. C'est inadmissible. Alors, j'ai un problème politique avec ce que t'as fait. Il y a trop de mélanine ou trop de Sophia au mètre carré. Est-ce que je peux replacer un Will à côté de l'une de mélanine, s'il te plaît. À la place de mélanine. Adjugé, pendu. Elle a moins de mouvement que l'autre. Est-ce que j'utilise... lui, il joue, ça joue. Ceux qui vont s'engager. Les autres jouent pas tout de suite. Alors, on part sur un ordre du lieutenant Will. Vas-y. De toute façon, Melanine nous a rendu un fier et grand service en nous générant 2 points. Alors que nous n'en avions plus. Ok, donc... Traité sur l'ordre, il y aura Zinlen, Montbure et Ostebard. Alors, après, c'est lieutenant Will, je peux le décaler un peu pour plutôt le donner à Taurus et pas à Zinlen. Je suis dans l'hésitation.
Parce que Zinlen pourrait mettre une zone ici et... Peut-être, mais c'est Zinlen et c'est le lieutenant Will, d'accord? Ah oui, c'est vrai. D'accord? C'est vrai, c'est vrai. Là, t'es en train de réfléchir à votre tactique, moi je suis logique, d'accord? Je suis RP. Hein. Par contre, tu vois, c'est ce que je te disais, la masse à ailettes qu'ils ont là, la petite masse à ailettes, elle inflige entre 80 et 100% de dégâts à la cible en force. Petite masse à ailettes là? Du Seed? Ouais, du Colosse. Ah, du Colosse. Le Colosse. Le cul, on tapait. Ah oui, non, mais c'est la grosse masse à ailettes, ok. Ouais, c'est joli, hein. C'est bah, pas mal. Ouais. Masse à deux mains, rare. Par contre, ça tape qu'une seule cible, ça. Hein. Ouais, ça tape qu'une seule cible. C'est du mono-cible. Ah, oui, d'accord. Mais sur un crit, applique déstabilisation, l'armure dégage. Hein. La garde dégage, hein. Instant. Ouais. Bon, après, c'est normal, hein, je veux dire. Toi, tenir la garde hein, de base, hein, il me semble. Ouais, c'est ça, tenir la garde. Avec l'autre gros, là. Ouais, avec ta brise garde, ignore 100% de la garde, donc ça te sert à ce genre de main. Oui, mais après, je reconnais que ça doit bien taper en mono. Hein. En mono, ça doit. Là, lui, déjà, il fait du 66 à 82. C'est genre sur un gros port là, ça ferait combien hein? Il a 75. Putain, j'ai moins de force que le type d'en face, c'est impressionnant ça. Normal, il est. Ah non, il est même pas guéri lui. Oh putain, oui. Et il est même pas guéri, ouais. Ouais, mais après, son arme par rapport à toi, elle est niveau 10. Donc elle donne 48 de force. Attends, j'ai 75 de force, mais on a tous des forces de mouche à côté ou c'est comment là? Ah oui, on a tous des forces de mouche. On a encore des armes niveau 9 alors qu'on est niveau 10. On a quoi? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Nous avons des armes niveau 9 alors que nous sommes niveau 10. Non, il y en a qui ont des armes de niveau 10 ici, monsieur. Ah, lequel? Mavig. Alors, Mavig. Mavig, c'est une arme qui requiert le niveau 9. Elle est pas niveau 10. Elle requiert le niveau 9, mais l'arme est niveau 10. Oui, mais on est niveau 10. Ah ça oui, tu veux dire qu'on peut encore la passer d'un niveau, ouais. Et l'autre gros, là? Gros, c'est la même. Du coup. Et quand puisqu'on vient tous de passer nos niveaux globalement avec le mannequin, il y a peu là. Ça. Et le truc moi qui m'a impressionné, c'est que j'ai regardé les armes que tu peux craft après. Ouais. C'est vénère. Hein. Les armes qu'on peut craft après, c'est vénère. J'ai genre sur l'arc 59 de dextérité. Hein. Ouais, bah je pense que notre stuff va être rendu là assez obsolète assez rapidement. Est-ce que tu veux un bon mur? Jouer un bon mur. Ouais, hein, je pense que ça va être un bon beau mur. Hein. Ouais. Un bon beau mur qui va pas le faire là où il est, mais je pense plus là. Je crois que je peux avoir plus de monde si jamais je suis là. Fais voir. 6 contre 5, ouais. Ouais. Alors que si je me mets là, j'en fais 5. Ouais, il y a pas un monde où j'en fais 1, 2, 3, 4, 5. Non, j'en fais que 5. Dans tous les cas, j'en fais 5. Bon, ouais, sauf que là, ça me rapproche de l'ennemi. Bon, bah. C'est pas vraiment. C'est un deal acceptable. Pas comme s'il avait peur de l'ennemi, lui. Hein. Même nos armures, hein. Même nos armures, elles sont un peu obsolètes. Hein. Nos armures un peu obsolètes. T'es gentil, hein. T'es gentil avec nos armures. Franchement, t'es super sympa avec nos armures. Parce que le renfort du serpent colossal, il est drôle, hein, mais... Bah, c'est ce qui up nos armures, hein. Sans ça... sans ça, nos armures, elles sont bien pourraves. Quand je regarde les trucs des dénales ou ce genre de choses, j'ai des jacks de capitaine, même pas avec une étoile ou quoi que ce soit, pas de renfort, un pourpoint avec du renfort de barde. Ouh, on est bien éclaté, hein, on est bien éclaté. On est bien éclaté sur beaucoup de choses, hein. En fait, je pense qu'on a trop papillonné. Non, pas forcément. On n'est pas si mal que ça. Parce que en vrai, moi, je prends... Parce que toi, il y a beaucoup de choses que t'as pas voulu changer. Il y a des choses que t'as pas voulu changer. Mais techniquement, mon capitaine, là... alors, il a que des stuffs dorés qu'on a trouvé sur des ennemis. Voilà. Mm-hmm. Et il a le casque en givracier. Donc, qui requiert le niveau 8 et qui est donc pour les grades 9-10, puisque je ne peux pas forger au-dessus. C'est ça, hein, c'est que je peux pas forger au-dessus. Je peux pas aller forger du stuff de niveau 12.
C'est ça le problème. Et j'ai un casque en givrasier de 2 étoiles. Je peux pas faire plus. Maintenant, si. Avec la retouche, tu vas pouvoir augmenter. Bah, maintenant, oui. Avec la retouche, je vais pouvoir éviter de passer pour un blaireau pendant 3 niveaux. Mais tu vois ce que je veux dire. Mes gars, ils ont déjà. Taurus, il a la hache en givrasier de niveau 2. Il a la gambison en givrasier niveau 2. Il a le casque en niveau 2. Enfin, 2 étoiles, hein, c'est ce que je veux dire. Hein. Voilà, il a évidemment le bouclier qui est autre chose, hein, je veux dire, qui est pas une pièce de stuff qu'on a forgé, mais il a tous les renforts du monde, il a toutes les huiles du monde, il a tout ce qu'il peut avoir, quoi. Après, malheureusement, il a pas le renfort sur pan colossal, c'est pas bon ça. Non, c'est colossal. Oui, du coup, il a pas de colossal, mais parce qu'il faut qu'on tabasse du cauchemar, c'est ça le problème. Ouais. Et le cauchemar, on n'en trouve pas à l'heure actuelle. Et cauchemar, il y en a plus. Il y a plus que des gardes. C'est cauchemardesque aussi, mais c'est pas ce qu'on cherche. Voilà. Excusez-moi, je vous laisse le tour. Il a marché dans le piège. Bon, bien joué, ma gueule. Bien joué. Mais au moins, c'est bien. Regarde, ils font un super taf. Ils engagent. Moi, j'aime bien. Hein. J'aime beaucoup le concept. Ça me donne envie d'aller tout tabasser. Là, tu vois, il y a une Sophia là, elle est nerveuse. Là, elle s'est dit oh putain. Ah oui, bah vas-y. Vas-y. Hein. Clairement. Et les gros boucliers sont engagés, t'hésites pas, tu les tues. Hein. Là, le Séide a guéri en dessous, si tu veux te le faire, parce que lui, il va être un peu chiant à tomber. Hein. D'ailleurs, elle l'a ciblé avec son couteau, je sais pas quoi. Le système de ciblage du couteau en rab, c'est quand même une approximation scientifique. Hein. Je veux pas être méchant, mais ça cible un peu ce que ça a envie de cibler. Hein. En fait, j'ai deux couteaux, tu sais, c'est l'autre. Par contre, lui, c'est pas enflammé. Le Seed a guéri, c'est pas enflammé. Non. Le Colossum, mais pas le... Non, je sais pas. Inébranlable, ne peut pas être repoussé. Ah, ok. Le Colosse ne peut pas être repoussé. Non, mets-toi dans le bac du Seed. Je te dis ça, je sais pas, mais je sais pas ce qui te reste. En vrai. Je veux voir, en fait. Non, je tuerai pas. Donc on va le laisser au maximum. Là, tu as le meilleur ami. Parce que le placement du capital est optimisé, bien sûr. Ouais, alors... On a un degré de meurtre assez élevé dans cette personne. Let's go tuer la recrue, du coup. Ah non, j'ai plus de points, là. Ah, je te calme. Bah, du coup, let's go pas tuer la recrue. Hein. Je me mets là pour pouvoir l'encercler. Ok. Après. Oh, joli. Oh, avec un petit marquage en plus. Ouais, mais on n'a pas de bête. C'est con. Bah, on est censé avoir un nonoche. On s'est fait niquer. Alors, après, faut voir. Hein. Peut-être qu'avec os de barde. Peut-être des bonus cachés avec os de barde. Est-ce que je jouerais pas un Zinlen genre ici, que j'avance ici et comme ça fait une zone. Planter deux bourrins dessus là. Franchement, les bourrins ils arrivent que là. Hein. Ouais, justement. Ouais, mais ils vont pas se déplacer du max pour aller se mettre dans ta zone. Hein. Ouais, à voir. Au prochain et tour, c'est ça le truc. Moi, pour moi, ouais, c'est plus du prochain tour. Hein. Ouais, bon, bah écoute. Hein, On peut cogner quoi. Je peux jouer des mecs sympas, genre Stevie. Stevie, c'est un mec sympa. J'allais rejouer un couteau si tu voulais. Hein. Ah oui, si tu veux. Il y a deux mecs encore engrainés au corps à corps. Ouais, ouais, carrément. Ouais. Vas-y si tu veux. Bonjour, connaissez-vous le sens du feu? Non, il a pas pris le feu, mais il a pris des dégâts excédents. Il va avoir une pièce d'armure qui les protège du feu. Peut-être leur casque. Je vais regarder ça pendant que tu le tabasses. Revêtement protecteur. Ah bah voilà. Mais du coup, ça lui file des dégâts en plus, c'est ça? Sont ignorés et convertis en dégâts. Donc il prend pas de poison, pas de brûlure, pas de saignement, mais il prend les dégâts direct. Ah ouais. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je pense que ce stuff est un peu pourri. Bon bah écoute, voilà, c'est fait. Ok, t'as rien de plus à donner?
C'est tout ? Non, j'avais rien d'autre. Oh là là, déception. Elle est pas aussi puissante que que Sophia. Hein. Et encore, Sophia n'a pas le couteau de l'ogre. Ta gueule. Donc on retourne à Storm 4. C'est vrai, mais de toute façon, la taverne est là-bas, donc c'est notre prochaine destination. Ouais. L'appel de la taverne, messieurs. L'appel de la taverne. Non, je veux pas que tu marches dans les flammes. Viens, viens ici, ma gueule. Ouais, c'est la recrue qui joue le prochain. Hop. Ouf. Voilà. Ça fait mal. Rien de plus à ajouter, je me cale ici. Comme ça, si un adversaire, c'est comme si on a un allié qui se cale, ça fera le gros le plus. Faudrait qu'on recrute un pugiliste, je suis sûr que ça pourrait être sympa. Ça suffit, oui, avec tes recrutements insupportables. Ah bah un Taurus. On oublie, mais Taurus. Dans notre équipe, on a un Taurus. On a deux bardes. En plus, c'est le colosse qui joue juste après, alors attends. Ah merde, j'ai pas les archers. C'est pas grave. Les archers, ils font Kilos, c'est des archers avant tout. Hein. Bon, bah... T'es mort, hein. Ouais, dégage. Ça serait bien. 133, suivant. 133, 133, suivant. Alors, on va traverser le capitaine. Hop, 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 hop. Bonjour. Bonjour. J'ai presque envie de te finir au bouclier. Je te finis au bouclier, j'ai plus aucune dignité. Tu ne mérites pas de vivre. Ah, j'ai les pattes trop courtes. Ah non, mais il me restait une attaque de base. Mais putain, c'est vrai. Mais je l'avais pris pour un méchant, il était pas beau. Taurus et Stevie ont une relation qui s'est améliorée. C'est beau. Intéressant. C'est beau. Il a découvert le côté obscur de l'homme. Alors moi, je te propose de faire ceci. Comme ça, pour le prochain tour, ce sera agréable pour tout le monde. Pouette. Bah écoute, hein. Commencer à se déplacer un poil. Bon, c'est déjà très... c'est déjà joli. Hein. Mais sinon, déplace-toi plus, hein. Moi, j'avance Osdebard, hein. Osdebard, il atteint le colosse, hein, qui est devant, si jamais. Ouais, mais il a déjà joué, c'est pas ça le problème. C'est que je veux réfléchir où je mets ma zone et si je la mets ma zone. Bah, tous les autres connards, ils ont pas bougé derrière, en fait. C'est ça que je suis en train de te dire. Ah, bon, en fait, le gars, il peut arriver, genre, jusque-là. Ok, bah, je me mets là, alors. Genre là. Et je fais ça, ça me paraît pas mal. Oh, ça me paraît très bien. Mais... Oh putain. Triste. Ouais, 83% de chance de coup critique. Hein. Il doit y avoir un cap parce que clairement... Tu prends... Ah oui, 45% de réduction de dégâts. Oui, tu m'étonnes. Oula. Oula, la connerie qu'ils ont pas fait. C'est un peu excitant. Oh. C'est un peu excitant, je te cache pas. Mais je pense que je me fais un fantasme de tout là. Ouais, c'est ça, j'en aurais que deux. Ah, quoique, attends. Si je me colle à toi. C'est un peu excitant. Il y en a trois qui vont prendre là. Ok. Il y en a un, il est pas très frais. Hein. Bah lui, il est moins frais. C'est très bien passé pour lui. Il a plus mal. Ah bon, t'es sûr? A plus mal non plus. Ah, les critiques à 200, ça pique un peu, hein. Ça pique un peu. Oh, le loup solitaire. Oh, tu peux tirer à travers Osdebard, hein. Non, j'envoie des poutrelles à travers Osdebard si je fais ça. Ah oui. T'as pas envoyé de poutre? Bah si.
Bah, ça a pas touché l'autre connard là? Ouais, bah parce que j'avais pas le de quoi mettre la visée, il y avait plus de points. Ok. Et si je me mets comme ça, tada! Et pendant ce temps-là, nous on essaye de, ça, d'avancer. En plus là, ils vont être obligés de courir, d'être à la queue leu-leu. Oh, ils vont être obligés de se suicider à la queue leu-leu. Oh, l'abattage, le couloir de l'abattage, non. Non, c'est moche, hein. C'est moche comme façon de finir. Bah avec ma vie que je peux aller loin, donc j'aurais bien attendu. Il reste qui à jouer chez nous là? Plus rien là? Ma vie et Edenal. Mais Edenal il a déjà joué non? Ah non, c'est tirailleuse. Ah, c'était tirailleuse. Edenal lui il a l'arc qui fait quand t'as pas d'armure ni de. Tu n'as ni de garde ni d'armure, il inflige le triple de ses dégâts. Et bah moi je serais toi, avance juste un Edenal. Terminé, ouais, il nous filera un point, puis ce sera mignon. Je te dis. Poup. Voilà. Poupi. Sagittaire, c'est quoi ton arc? Tire debout. Ah. D'accord. Voilà. Bon bah tant pis. Bon, on va être obligé de bouger tout le monde. Je vais quand même ramener une guerrière ici. Hein, parce que. Oui, oui. On va quand même taper sur du shield un peu solide éventuellement. De toute façon, il va falloir quand même avancer. Hein. Il va falloir bouger. Il va falloir se bouger un peu le cul. Hein. Oh la pute. Il vient de nous tirer de la merde dessus, c'est ça? Ah, vraiment. Ouais. Le mec est désespéré, il peut faire plus que ça, tirer du caca. Il nous a tiré du caca sur la gueule. Ah merde alors. C'est bien de le dire. C'est clair. Le problème c'est que même là, nous on va devoir courir à fond en fait. Heureusement que j'ai mis l'ordre de... En fait, il y a Mavic qui peut toujours aller taper par là. Il y a toujours le gros qui peut aller taper par là. En fait, la question, c'est plus... Est-ce que dans notre pack qui est en bas à droite, genre avec Siliana, la mobilette, tout ça, on peut libérer le gros, Asdebard. Comme ça, Asdebard pourra jouer sur le couloir de la mort, qui est là-bas, là. Le couloir de l'abattoir. En fait, est-ce que, sans utiliser notre pack qui est dans la boue, les autres peuvent atteindre les deux connards et donc les nettoyer. C'est ça toute la question. Moi, ce serait... Moi, Taurus peut pas. Je te faisable. Le dis. Ce serait faisable avec... Putain, c'est pas très loin, mais Stevie peut pas. Ouais, ce serait faisable pour moi. Ok, bah écoute, avec Sophia. Vas-y. Attends, j'ai peut-être aussi à te proposer... J'ai Will qui pourra taper aussi dedans, si t'as besoin, qui peut taper le factionnaire. Non, non, moi ça devrait être bon. Ok. Et mon mur? Ah, mon beau mur. Et mon beau mur qui court pas. Voilà. Ma régénération de mouvement, connard. Il l'a pas fait. Il faut pas que tu lui infliges des PV. Bah si, mais là il a balancé le couteau. Bah oui, mais il a une armure le mec. Non, non. C'est inflige 25 de dégâts et puis réinitialise le mouvement. Ça a pas voulu... Je viens de me faire douiller. Je viens de me faire douiller par le jeu. Attends. Cette hache... Parce que je l'ai dans mon lancer réflexe. C'est où? C'est lancer réflexe. Bon, lancer réflexe après avoir utilisé une compétence inflige 25 dégâts à l'ennemi le plus proche dans un rayon de 4 mètres, puis réinitialise le mouvement. Tu viens de te faire soulever. Oh, chiant, putain. Merci d'avoir joué, gros. Je viens de me faire douiller. Ouais, parce qu'il y a une condition qui n'est pas détaillée là, qui existe pour le jeu, mais qui n'est pas détaillée dans la boîte à dialogue.
Du coup, j'ai dit que je pouvais envoyer un lancier. Je peux envoyer Stevie en... Ah oui, mais du coup, je peux plus envoyer Stevie en parce qu'il y a ta buff au milieu. Ouais. Non, t'inquiète, ça peut se faire. Je fais une petite course. Hein. Ça y va. C'est juste pour dégager le gros, de toute façon. Oui, oui. Parce que, bon, normalement, je vais pousser le monsieur. Le monsieur, il va voyager. Ça va bien se passer. Voyage, voyage. Voilà, monsieur. Vous prendrez bien une flèche. Voilà, avec ça. Une petite. Voilà. La galvanisation, mes petits amis. Et vous savez ce que je vous propose en plus? Un petit point. Ça me fait plaisir, les copains. Alors, c'est vraiment parce que c'est les copains. J'ai un carré la gamme, il est arrivé là. Oh, ce mur. Ce mur qui est en train d'être fait par les avatars. Ce mur de hache, quoi. Mur de hache, de lance. Ah, vraiment, on leur a parlé d'abattoir, ils sont arrivés avec leur casque de cochon et leur hache là. Vraiment. Vraiment. Le couloir de l'abattoir qui prend vraiment forme, hein, premier degré. Attends, le pic du pourchasseur inflige 45 à 50% de ta force à la cible. À nouveau, si la cible a déjà un malus, frappe de nouveau si un animal allié est adjacent à la cible, frappe de nouveau si la santé de la cible est entamée. Que quoi, tu peux frapper 4 fois avec ta lance? Ça, c'est un peu sale, quoi. Bah, je vais commencer à remonter tout le monde. Hein. Let's go. Vas-y, hein. J'ai mis le. Voilà. Il faudrait juste s'occuper de l'archer. Pour l'instant, je peux pas l'atteindre. Donc, éventuellement, c'est un de tes. Un archer. T'as plus de mobilette qui peut l'atteindre. Non, j'ai aucune mobilette qui peut l'atteindre. Mais parce qu'en fait, moi, j'attends que là, lui, il va bientôt jouer. Là, j'attends qu'il se rapproche de nous pour savoir comment on l'encule. Ouais. Bah écoute, Je vais remonter, Will. Or William. Or... Will. Mais est-ce que avec Will je peux pas l'atteindre cet archer? C'est ça la question à 8 milliards de dollars. Est-ce que je suis en train de demander si c'est pas le pack qui me gêne? Genre là il me resterait du move? Ouais c'est ça. Je peux l'atteindre avec Will je pense. Par contre on s'assoit sur le point que je donne. Hein. Pas grave. Tac, je fais là. Moi, ouais, tu le tueras pas, par contre. Hein. J'ai rien dit. Pardon, ah, bah si, on est galvanisé. J'ai un taux de crit. Oula, le jeu a bien freeze chez moi. 180. Ah, regarde où je m'arrête. C'est triste. La tristitude. C'est clair. Ah! Bah, c'est pas très passionnant. Voilà. Et l'inspiration, ça rend les combats débiles quand même. Je suis désolé de le dire, mais. Je peux attendre plus encore. Tu peux taper si tu veux. Je peux attendre en fait que la recrue arrive. Je peux taper le colosse et l'entamer. Avec qui? Avec Zinlen. Pas besoin de bouger. Avec Zinlen, avec Tirailleuse, avec... Alors, oui, c'est une assez mauvaise idée parce que j'aimerais bien que t'encules les Sagittaires, en fait. Là, en fait, si tu veux, c'est encore leur corps à corps qui se déplace. Moi, je peux embrouiller ces corps à corps avec mes deux corps à corps. Parce que j'ai Mavic qui a pas joué et Os de Bard. En plus, donc, du coup, moi, ce que j'attends, c'est qu'il y en ait au moins deux alignés pour leur péter la gueule. Bah, je peux tuer le Sagittaire qui est là-bas, qui a déjà joué. Sans bouger T'es un peu coincé, là, chef. Alors attends. Oui, t'es un peu coincé. Oui, non, je pourrais pas. Oui, faut que je bouge mes gros. Faut que je bouge littéralement d'ailleurs le gros. Parce que c'est le gros qui gêne le plus. En attendant, je vais juste monter mon mur. À mon beau mur. Voilà. Parfait. Nous sommes amis. C'est beau. C'est beau l'amitié. Et le bloqueur qui arrive. Qui a une armure, mais plus que chi. Il a la peau de l'ours, hein. Moi c'est tout ce que j'ai noté. Hein. Il n'y a pas d'ours, mais il a la peau de l'ours. Hein. Du coup, j'ai un peu le seum. Hein.
Bah je vais du coup déplacer... Ah non, tu peux remonter des gens toi encore ou... Oui, je peux remonter Sylianea et redonner le mouvement à tout le monde. Let's go. J'aurais peut-être dû monter Mélanine avant. Oh non, c'est bon. Ouais, t'es peut-être un peu loin de Mélanine, tu l'as peut-être pas. Un tout petit peu trop loin, mais c'est pas grave. Redescendre... Bah tu pouvais redescendre d'un cran. J'ai plus de mouvement, j'avais plus de mouvement. Merde. J'avais plus de... Bah on va remonter Mélanine. Ah oui, mais Mélanine. Mélanine. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est... Bah la joue pas tout de suite alors. La joue pas tout de suite, je vais déplacer ma vie. Ouais, de toute façon, on va faire un jeu aussi. Je vais d'abord boucaquer le gars avec ma vigue. Boucaquer. Voilà. Bah non, il avait. T'as moins de force que lui. Oui, oui, je l'engraine au close. Je fais pas plus. Okay. De toute façon, il a déjà joué le gars. Soit un archer. On peut faire un archer. On peut faire un arc, puisque maintenant je t'ai libéré un peu de place. Genre un Edenal ou. Ouais, attends, non, je vais. Alors, je vais dépenser un point, je m'en excuse, pour tabasser le. Alors, je vais me mettre là, hein, mais. Attends, non, si je vais me mettre là. Non, ce sera un peu crédit. Je vais me mettre là. J'ai encore du mouvement pour revenir. Parfait. Dans le pire des cas, il jouera pas. Dans le meilleur, je le bute. Bah donc il jouera pas. Voilà. Je vois pas la différence. Et bon, je peux lui mettre une flèche dans la tête. C'est gratos, ça lui met un saignement. Il est content, il a pris. Et je vais me mettre derrière notre host de barde nationale. Voilà, un tour rondement mené qui n'aura rien coûté au final. C'est bon ça, j'adore. Oh l'encul. Excusez-moi, le pourriture communiste de l'extrême droite. Bah écoute, je vais déplacer le gros. Je vais déplacer le gros parce que le gros il gêne. Donc, je devine que je ne touche rien là. Hein. Voilà. Bah voilà, parce que mon angle il est pas. Ah, attendez. Excusez-moi. Excusez-vous. La portée quand même de ton truc est insane. Hein. Le marteau. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont nerf. Hein. Parce que vu qu'ils savent à 3 mètres. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai accepté hein, ce marteau. Hein. Parce que justement, il tapait beaucoup trop loin. Voilà. Ah, ça a été régène, c'est beau, regarde ça. Ah, ça meurt, c'est beau, ça meurt. Mais non, on veut massacrer tout le monde. Eh, hey, il y a toujours leur capitaine, hein. Le capitaine en mode, elle claque des fesses. Le capitaine, depuis le début, il est là. Bon, bah là, je pense que... Hein, bon, bah, moi, tu peux... Il nous reste 3 points, si tu veux te prendre un meurtrier, tirer un arc, et puis après, le dernier, on le bully. Ouais. Ça va, t'as 25 sur sa tronche. Voilà. Leur capitaine, c'est... Ah oui, Sokka... Ah oui, vraiment, il va rester plus que leur capitaine, quoi. C'est vraiment... C'est ça. Même leur capitaine, elle, quand même, elle s'est dit, là, 2 contre 25, je me sens moins bien. Voilà, t'as plus qu'à poser une zone. Pour la capitaine. Ouais, quand même, c'est un peu abusif. Voilà. Le move d'Edenal. Le move est impressionnant. Ah oui, mais toi tu ralentis les gens, c'est une mauvaise idée. Elle arrivera pas dans la zone. Il y a des chances. Edenal qui ralentit le gameplay, qui rallonge les tours de jeu. L'emmerdeur. Nouveau rond. T'as toujours un os de board qui peut aller la terminer s'il veut. Ça va tâche de couille. C'est ça. Mais elle a des ovaires, aucune différence. On lui fera descendre et ils feront pas. Descendre de marteau, 1,285, c'est acceptable. Et accepté. Ah, une masse à ailette. D'un hasard. Et os de barde a dit, j'ai beaucoup apprécié cette journée et se combattre avec à vos côtés. Enfin quelque chose comme. Et c'est moi t'as piqué mon casque.
C'est que c'était un casque intermédiaire, je crois. J'ai pas eu le temps de regarder ce que ça valait. C'est bien ou c'est de la merde? C'est en fait, tant que cette unité n'a pas de garde, elle gagne 2 de rage. I'm sorry. We were supposed to watch your backs, but there were too many soldiers. Without your help, we would have all died. This patrol was running towards the fishery. We had no choice but to attack them, or they would have caught you in the act and taken the slaves. Even though it didn't exactly go as planned, what matters is the result. Please accept this for going back to the camp. But as soon as the weather allows, we'll run straight to Harag. Ok, bah bisous bisous ma mène. Je pose le camp déjà, parce qu'il y a besoin de poser le camp. Le bouclier, c'est un bouclier qui donne coup de bouclier. Je voudrais juste voir si c'est mieux, si c'est un meilleur shield que ce qu'on a, que les shields fatigués peut-être que j'ai, 16-51. Il y a plus d'armure sur ce shield-là. Un coup de bouclier rapide inflige 11 dégâts à un ennemi adjacent. Alors que celui-là, c'est coup de bouclier tout court. Inflige 30 à 40% de dégâts à la cible et lui applique fragilité pendant tour. Ah, c'est pas la même compétence. Ok, moi c'est les coups de bouclier auto. Là c'est des... Ouais. Ok, c'est tu grades des combats. Ah, merci pour la viande. De rien. Et le casque... oui, je voulais voir le capitaine, mon capitaine. Parce qu'on a parlé de mettre de la rage. Hein. Le capitaine, il aime bien. C'est un concept... Oui, mais faut que tu n'aies plus de garde, donc il faut plus que tu aies de bouclier. Ah oui, c'est... Ah, c'est ça de panda. Donc non, c'est nul. Et pareil, je suis en coup de bouclier rapide, ce qui est très rigolo. Alors que ça, ça va être une compétence qui a coûté un point. Par contre, la masse à ailette... Attends, non, le coup de bouclier, ça coûte pas de points, c'est... Si, si. C'est pas une attaque standard, ça coûtera un point. C'est dommage que ce soit pas précisé, d'ailleurs. Mais bon, bah, on peut le vendre. Je ne suis pas plus intéressé que cela. Et donc, le bandeau de travailleur, gain d'expérience de métier augmenté de 10%. Voilà. Ah. Bon. Ton alcoolique, elle est où? La madame qui fait de l'alcool. Elle est là. Tu veux peut-être le bandeau, du coup, pour Sylianea. Je te l'ai mis. Je viens de voir dans les points qu'il y a un truc intéressant. Ouais. C'est camarade de boisson. Tu te souviens les traits négatifs qu'on avait pris, feignant, ce genre de choses? Oui. On peut les effacer pour 300 d'influence. C'est pas mal, hein. Sur deux personnes. C'est intéressant. Les deux meilleurs amis. Et en sachant que quasiment tout le monde est meilleur ami. Quasi. Hop. On va se faire quelques ragoûts de cochon. Bon, on va s'en faire un ragoût de cochon. Voilà, parce qu'on est un peu en galère alimentaire. Moi, je la vois venir, la galère alimentaire. Tu la vois pas, mais moi, je la vois. J'ai pas réparé les gros. Réparer un gros. Réparer encore un gros. Le même gros. Voilà. Je peux plus rien réparer, monsieur. Ah, tu peux plus rien réparer? Arc. Ah, et tu n'as que des archers à bocher? Ouais, c'est à cause du tir de mélasse. On va réparer... ah oui, je vais réparer... ah non, je peux plus réparer personne. Bon, j'allais réparer Zinlen, mais c'est mort, hein. c'est cramé. Non, mais t'inquiète, hein, ils prennent pas forcément des coups très, très souvent. Je crois qu'il faut qu'on campe. Hein. Tous nos poneys, on a 20% fonds, de chance de se faire agresser, tout va bien. On se met un cochon, ça c'est très bien. Je sais pas si on peut cumuler plusieurs ragoûts de porc. Non, oui tu peux mais ça sert à rien. Oui ça sert à rien, c'est ça. C'est perdu, c'est ce que je voulais dire. Oh on a de la perche en bouillon, on se coule de la perche. Hein. C'est tiens, cool. L'icône a changé. Et là ce qu'il nous faudrait donc c'est une picolinada. Hop, une petite gnôle des familles. De champi et on est très bien voilà ou alors un seul champi et des viandes voilà parfait les salaires sont versés impeccable monsieur la troupe est satisfaite et nous avons récupéré des cuirs blancs et un point comment ça on a récupéré des cuirs blancs
Donc on a récupéré des cuirs blancs. Sur le truc de Tanner. Ah, sur les carcasses qui nous relâchent du coup des cuirs blancs. Ok. Mavig a des choses à nous dire. Je vois qu'il a confiance. D'accord. Si je finis par quitter cette compagnie, je saurai quoi faire de mes mains. On peut gagner du bonheur. On peut gagner un point d'attribut. Bah, je pense qu'on va pas discuter très longtemps. Hein. Voilà, je ne veux pas voir le reste. Je m'en fous. Je vais gagner donc un point d'attribut avec ma vie, évidemment. Qui va aller. Oh là là, on me propose force deux fois. Plus de direct. J'ai rien besoin de faire là. C'est cadeau. Oh, c'était cadeau. Oh, elle est vraiment bien cette petite. On tire tout ce que j'ai dit. On a gagné un point, monsieur. Mm-hmm. Et j'ai ajouté un point dans les voix aussi. Okay. Je t'invite à aller regarder aussi ce que c'est après. Allons voir maintenant. Tu as ajouté un point dans les voix. Dans le compagnon, dans le commerce et. Dans le business, car c'est notre métier, bien sûr, avant tout. Mercenaire prestigieux augmente de 1 le nombre de contrats que vous pouvez accepter sur le tableau des primes. On l'avait pas déjà pris, ça ? Non. C'est ça que t'as pris ? Non, non, j'ai rien pris, j'ai un point, on a un point à dépenser. On a un point à claquer, ah oui. Mercenaire des valeurs, gain de crone des contrats augmenté de 20%. Prix de vente des objets de luxe augmenté de 50%. Livrer des prisonniers va mourir. L'expérience de métier gagnée est doublée si la troupe compte un autre compagnon du même métier, ce qui n'est pas le cas. Je suis assez pour l'augmentation du prix des contrats. Vas-y. Parce qu'en fait, là, moi, sur les 4 possibilités que je vois, je me dis c'est le truc qu'on fait vraiment le plus et qu'on peut faire le plus quasiment de manière illimitée. 20% de revenus supplémentaires. C'est pas dégueulasse. Et moi, je voudrais que tu regardes un petit truc. Le truc de niveau 10, quand tu passes sur l'étendard, ça a augmenté. Tu sais, avant, c'était un niveau 8, niveau 9. Chaque fois qu'un compagnon gagne de l'expérience de métier, 12% des points sont aussi ajoutés à son expérience de combat. Oh, c'est joli. C'est joli. C'est très joli. C'est très très beau. Eh bien, moins que tu puisses nous faire des outils, peut-être, ce que t'as dû faire, tout ça, pour réparer tes gars. Avoir des outils en rap, peut-être. Ah non, tu peux pas en fabriquer, c'est à chaque repos, machin. C'est à chaque repos, et je peux je peux soigner, j'en ai réparé deux. Voilà. Ok, bon bah... Tu peux virer Stevie de là où il est, et le remettre soit dans la tente, ce qui pourrait être intéressant, parce qu'on ne régénère absolument pas de points. Ok. Il est en tente. Putain, par contre, Will, tu vas monter de niveau un jour ou ça se passe comment ? Ça se passe comment ? Prochain combat, voire repos. Ah ouais, il a un gros retard d'XP en vrai sur les autres. Parce que là, aujourd'hui, on a l'impression que c'est 3 fois rien, mais il a genre 400 XP de retard sur les autres, quoi. Mm-hmm. C'est quand même beaucoup. Ok. Ça marche. Je suis en train de regarder pour les points. Pour le truc de compendium et compagnie. Moi je pense qu'à ce stade là il vaut mieux attendre. Alors soit on va chercher des recettes genre de brassage, genre le cidre pour faire des pommes. Mm-hmm. Comme ça tu vas pouvoir tout de suite XP avec ton perso. Ouais. Soit on réserve le point pour aller chercher des trucs au niveau de tu disais, excuse-moi. Il y a de nouvelles recettes de cuisine. Il y a des tonnes de nouvelles recettes de cuisine. Le filet de thon. Attends, t'es en train de me dire que maintenant je vais plus pouvoir faire des. Ah, si, ok, mais. Ah, c'est parce qu'il y a un nouveau poisson, d'accord. Le thon, il n'y avait pas. La raie, il n'y avait pas. Ok, il y a des le nouveaux requin, poissons. Le requin, il n'y avait pas. La crevette, mais je pense que ça, pas. C'est à cause du DLC qui est arrivé. Adorat de frites. Ouais, ça sent. De toute façon, c'est que des poissons. C'est de. Salé. Pas d'eau douce. Mm-hmm. C'est pas des poissons d'eau douce. Donc pour l'instant, pas concerné. Le sirop. Il a fallu faire bouillir une grande quantité de sève pour fournir un seul flacon de cette épaisse substance. Un sirop, donc je sais pas trop avec quoi on va le faire. Avec de la résine. Avec de la résine. J'en ai déjà fait, c'est en coupant du bois. Ok, bah pour l'instant on en a pas, donc c'est pas trop nécessaire, mais le sirop c'est sympa. C'est sympa. Il y a le chou farci qu'il faudrait qu'on se fasse un de ces quatre aussi. Le chou farci. J'aimerais beaucoup. Je sais. J'ai rien contre. Mais encore une fois, le chou, c'est.
Quand ça devient plus rare que le miel, c'est quand même, il y a un problème. Hein. Genre, même le lait, hein. Le lait, c'est très rare à trouver, c'est un peu casse-couille. Les bières sont hyper chiantes à trouver. Enfin, tout est hyper chiant à trouver à chaque fois. C'est un enfer. Mais bon. Je te propose pour le moment d'économiser le point, parce que dans les connaissances générales, mine de rien, dans les connaissances profondes et tout, il y a des trucs. Hein. J'ai les camarades de poisson. Ouais. Il y a force morale qui augmente la volonté générale du groupe de 1, qui n'est pas rien. En gros, tu montes tout le monde à 14 et comme ça, ils peuvent faire volonté et ils serrent les dents. Ce qui est intéressant. Sociopathe, ça fait quoi? Sociopathe? Aucune idée. On a un sociopathe dans l'équipe? Non, je crois pas. Mais il faut s'injurier entre deux ennemis. Et on n'a pas d'ennemis, nous, on a que des potes. Équipement ajusté, une armure et un casque assorti voient leur bonus d'armure et de garde augmenter de 10%. Saine communication, la relation au sein de la troupe s'améliore 15% plus rapidement. Apprentissage spécialisé, les défis de voix valant au moins 2 pp en rapportent 1 de plus. Ça peut être drôle. Cueilleur averti, chaque fois que vous récoltez des fleurs, vous obtenez également du chanvre. Ressources humaines, votre troupe peut passer des annonces de recrutement auprès des tavernes. Je pense que ça peut être intéressant pour avoir le petit du minimum claqué parce qu'on n'a plus besoin de recruter qui que ce soit. Moi, que tu veuilles rentrer vraiment en pugiliste pour tester un pugiliste. Mais ce serait intéressant, ouais. Mais parce que mais ça veut dire, tu vois, le problème c'est que derrière ça veut dire que ça augmente le nombre de combattants dans les combats. Enfin, c'est les combats d'une heure et demie, on n'en finit plus quoi. J'ai vu qu'il y avait des troupes, qu'il y a des gars qui faisaient que des troupes de 5 ou 6 pour que les combats soient plus rapides. Ah bah oui, parce que sinon c'est infect. En fait, là, il faut faire maintenant une troupe de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, c'est ça, t'as tous les métiers. Non, il nous reste un métier à découvrir, faut te faire une troupe de 7. Voilà. Enfin, faut te faire une troupe de 7 mecs et t'as tous les métiers. Non, attends, il nous manque mineur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pour avoir tous les métiers, faut 11. Pourquoi 11? Bricoleur, brasseur, bûcheron, barde, érudit, ah oui, putain, bûcheron, alchi, voleur, marmiton, pêcheur et mineur. Bon bah voilà, il faut une troupe de 11. Une troupe de 11, t'es au petit, il t'en faut pas plus. Mais après, ça veut dire qu'ils sont tous occupés à un truc dans le camp et puis... Bah non, parce que ton pêcheur, t'en as... ton pêcheur, ton bûcheron et ton mineur, non. Ouais, ton forgeron non plus. Et ton forgeron non plus. En fait, t'as que ton bricoleur, ta marmite et ton tonneau de brassage qui sont occupés. Et ton érudit qui est sur son pupitre. T'en as que 4 qui sont occupés sur ton T11. Le barde aussi, parce qu'il te donne quand même. Le barde. Mais le barde il donne déjà un bonus au groupe en fait. C'est qu'il a un équipement qui donne un bonus au groupe. Mais ouais. Seulement s'il est affecté, ouais. Un de volonté à chaque compagnon. Donc, mais c'est une option, c'est une option de campement, c'est pas une obligation. C'est une option qui est cool, mais voilà. C'est pas une obligation d'être occupé, c'est juste que tu peux l'occuper, mais t'es pas obligé. Ouais. Donc, non, concrètement, je trouve que sur une troupe de 11, ça se joue très bien. Oh putain, pop. On aurait dû mettre l'innocence feinte. On monte, c'est bon, ils nous ont lâché, on peut redescendre. Champignon, j'ai vu un champignon, je prends un champignon, vite, j'ai un champignon. Putain de merde, c'est quoi, c'est des bandits qu'il y a en haut à gauche là? Ouais, c'est ça, c'est des bandits. On fait quoi, on se redirige en direction de la ville et on essaie de camper en ville? On peut faire ça, la ville je sais plus où aller hein, du tout. Moi j'ai retourné ma carte, du coup je suis plus dans le bon sens, enfin je suis plus dans le sens dans lequel j'étais pendant longtemps. Ok, tu viens? Ouais, je te suis. Oh non, on pourra pas passer. Attends, si en se planquant dans la forêt, si peut-être. Attends, je vois pas, ma caméra n'est pas dans le bon sens encore. Hop, voilà, je vois pas dans le sens dans lequel je vais. Ok. Alors je rappelle qu'il a gagné des combats en embuscade, hein, si jamais. Ouais, mais contre de la garde, non? Pas contre de la garde, mais vu qu'il y avait des bandits qui l'ont des. Ouais, mais quand t'as 5 trucs de garde. Et putain, okay, je suis en train de bugger contre un truc là encore. Fais gaffe au pont, hein. La dernière fois ça nous avait coûté cher. Ah, le pont maudit sa race.
Ouais. Et il y a un piton sur la, il y a un piton sur la gauche pour aller en ville. Ok, excellent. Oh, je sais pas qui a eu l'idée de mettre ce piton, c'est ingénieux. Bah déjà, en plus, ils ont fait un truc bien, c'est que maintenant, il y a le piton en bas aussi, je vois. Il y a le piton en bas pour pouvoir cliquer dessus plus vite. Ça, c'est cool. Ça, c'est une bonne chose. Ok. Alors déjà, je vais aller refaire des potions si ça ne te dérange pas. Oui, vas-y. J'ai rien à te filer, je crois. Toutes les... Je peux aussi vendre des cailloux. Bah tu sais quoi, vu que tu vas faire des potions, je te mets les cailloux à vendre. Ouais. Et tu n'as pas équipé du bandeau du travailleur l'un de tes personnages. Il est maître. Ouais, celui-là il est maître. Oui, mais ta brasseuse, tu l'as pas équipé. Ah, je l'équipe après si tu veux. Attends, j'ai encore une couscous pour toi là qui traîne dans mon inventaire. Hop, je te remets ça. Là. Oh, vas-y. Je viens de récupérer pas mal de trucs. Un remède contre la peste. Putain, ça coûte un rein. Le remède contre la peste, un ça rein. Coûte cher maintenant. Si tu peux le dire, ça coûte un rein. Saule des montagnes. Un saule des montagnes, un cerveau infecté. Pour un remède. Je crois que tu me mets des trucs des fois dans. Mais dis-le moi, hein, parce que là j'ai trouvé des côtes de cochon qui traînent. J'étais pas au courant. Ah, ouais, pardon. C'est en remontant des trucs, je fais. Des côtes de cochon. Alors je sais que pas non plus je cuisine trop, mais quand même. Préviens-moi. Je nous ai fait de l'acier acadien. Pour plus tard. Ok. Ah, on a débloqué un point en érudit. Ouais, ok, d'accord, c'est de la merde, vas-y. Je voulais d'abord récupérer tous les... Ah non, c'est pas de la merde. Parce qu'on est passé niveau 10 avec ton point, non? Non, on était déjà niveau 10. La torche d'Alazar, je la prends. Ça, je prends pour vendre. Ouais. Bah, la masse aussi. La masse, on la vend aussi. Ouais, ou tu la désosses, j'en sais rien. Moi, j'équiperai personne... J'ai personne à la masse à part le gros, et le gros, sa masse reste encore effective. Hein, donc. Il y a ma vigue aussi, mais la masse de ma vigue est juste gautière. Elle est très très bien, sa masse à ma vigue, et surtout, bah, elle est montée en tank, donc je trouve que c'est cool d'avoir quand même deux boucliers dans le groupe qui tank. Et elle a un bouclier en plus de ça qui met des gifles, je rappelle. Alors dans ce cas-là, la masse est très intéressante pour ma vigue. Bah non, parce qu'elle est vraiment cool sa masse. Hein. La masse que l'on vient de récupérer fait qu'elle double sa garde. Ouais. Donc mais en gros, elle peut passer sa masse à... Oui. D'accord, oui. Non mais je voulais juste te le dire que elle pouvait être à 80% de réduction de... Peut expérimenter des trucs. Ouais. Présenter 5 compagnons blessés. Soignez toutes les blessures communes de vos... Franchement, on peut aller faire ça. Hein. Oui, non. Bah, achète 4 bouteilles vides. Et franchement, on peut aller faire ça. Comment ça? Bah, on va aller se prendre de la foudre. Et on revient. Ouais, bah, faudra la trouver, la foudre. Bah, c'était là où il y a. C'est toujours au même endroit. C'est juste à côté du pont brisé. Oui, bah on ira pas là-bas alors. Ok. Bah, il y a la garde qui. Et si on a de la résine au passage? On a de la résine dans le coffre. Troisième ligne. Partant du. Heinz Weidreich. Ah oui, on a 3 de résine. Ok, bon, je prends les 3 de résine. C'est de la cuisine, je le prends sur moi. Comme ça, y'a plus de problème. Je te mets du givracier, je te mets du. La siaké. Bien. Je crois pas qu'on en ait ça. Ouais, c'est la première fois qu'on en chope. Voilà. Asia Kélia. Je sais même pas où tu. Ah oui, d'accord, c'est là. Ouais, ok. Poudre okay, de okay. Rage. Tiens, c'est quoi ça? Ah, je peux créer un truc. Vas-y. Tiens, vas-y, je vais le faire. Hein. La poudre de rage, c'est toujours ça, de fait. Je regarde un peu s'il y a des nouvelles recettes qui ont été. Balancer, non. Si, il me faudrait une faucille fantôme, mais osez. Hop, on va récupérer les petits points d'alchimiste. Vas-y. Je regarde un peu tout ce qui se passe. Bon, oh, ouais. Je m'excuse, YouTube, hein, c'est pour le. Attends, j'ai oublié de faire mes remèdes du coup.
Ah, j'ai même ré... Alors, j'étais trop fort, j'ai réussi à récupérer une fiole. Alors, ça, c'est pas mal. J'ai eu une fiole gratos. Le mec avait découvert qu'en fait, il avait des fioles russes. C'est-à-dire, ça, empilé juste dans les autres. Fioles. C'est des fioles poupées russes. Voilà, c'est des poupées gigonnes. Ouais, c'est ça. Des fioles gigonnes. Si il y avait au moins 5 blessés parmi vous, je pourrais tester ma nouvelle formule sans raison. Ouais, allez hop, on dégage. Merci ma bonne dame. La taverne. On a des contrats à vendre. On a au moins un contrat à vendre. Ouais, ouais, ouais. Consulter, du coup on a un peu tout qui tourne. On a le repère du coup des brigands, on a l'infection de rats, qu'est-ce qu'on se prend? Étant donné qu'on ne veut pas rester dans cette région là et qu'on veut se barrer, je vois pas l'intérêt de prendre des quêtes. Ok. Alors on veut se barrer, disons qu'on veut voir la taverne, mais faut piller la région quoi, faut clean le bord aussi à un moment donné. Étant donné que la région... C'est moi ou le rubis, il le vend? I'm just watching the turn's nest while he's away. On peut l'acheter pour 32. Mais je sais pas pour combien on peut le vendre. Je sais pas du tout. Ça, le truc. Je pense pas que ce soit rentable pour nous. On peut acheter de l'absinthe, vitesse de déplacement dans le monde augmentée de 3%. Mm-hmm. C'est pas mal. Beignet de cerises frites augmente de 10% les chances d'obtenir des ressources après un combat. Ils se sont fait plaisir sur les recettes, hein, les types. Obtenir 10% d'obtenir des ressources après un combat. Oh, ça se tente, hein. Ça se tente. Bon, on voit les choses. Je te propose de chanter. Ouais, carrément. Bon, on va choisir d'aventure en aventure, hein. C'est ce qu'il y a de mieux, ça donne du pognon. On veut du pognon. On veut du poids. J'ai raté 4 notes ou 5 notes, je sais pas. J'en ai raté beaucoup. 70 balles et 2 saphirs. Alors, le truc, c'est que je suis en train de regarder vite fait là, au niveau 11. On en est loin. Les armures et les armes, mais te donnent tellement de stats par rapport au givrassier. Oui, oui. Regarde, je vais prendre l'armure de givrassier, hein, la grosse armure, c'est 87. 18 de garde, 87 d'armure. Ouais. 22 de garde, 225 d'armure. Ouais, c'est pas mal. I was drinking in the tavern when the ice reckoning struck. Sobered me up real quick. My customers are so scared. Du miel et des abeilles. That they fled the market. Ah mince, on est pas encore à 60 jours de bouffe, je suis déçu là. Ouais, je suis déçu. Vous avez pas des marchandises là, on va remonter. Ouais. Faut encore charger un peu la mule ou pas? Oh. Oui, on a quasiment 150 de marge. On peut tout prendre. On peut pas tout prendre financièrement. Ah, ça. Étonnamment. Je vais faire de la forge, hein. Non mais on va faire forger. On peut vendre aussi des fourrures tout ça, mais on peut aller forger. Hein. On peut aller forger. Hein. Parce que tu me dis que je peux rapiécer des armures et tout. Enfin, on va voir. Non, je me suis planté. Ouais, on a mis des pieds ici, nous. Oui. Ok. Bon bah tirons-nous alors. On allait dans le souterrain. Je me rappelle même pas. Ok. Si tu me dis qu'on y est allé, c'est qu'on y est allé. La forge, voilà, merci. Alors attends. Ah bon. Est-ce qu'on lui achète tout son stock de d'outils, hein? Contrôle pour tout acheter un coup. Non, mais j'en ai pris 7, comme ça je t'en laisse 5 pour réparer tes armures légères. Ouais, bah dans ce cas-là, pour 8, hein, il répare tout. Oui, c'est ça. Bon, voilà, impeccable. Qu'est-ce qu'on peut se clumer? Ah oui, alors je crois qu'il faut que je prenne toutes les ressources. Ah non, maintenant je crois que le système est intelligent, c'est considéré comme étant dans le bien commun. Ok.
Donc on peut faire des tas de trucs, mais je peux toujours que forger en fait, des machins. J'ai pas l'option d'améliorer des armures. Pour la retouche, ouais. Normalement tu l'as. Normalement pour la retouche tu l'as. Il faut que tu déséquipes les équipements que tu veux. Ah ok. Qui qu'on veut améliorer son armure. Bah par exemple, tiens pour voir un peu ce que ça donne. Alors je veux voir si c'est faisable de retoucher une armure que l'on a drop. Alors, donc, moi ce que j'aimerais tester c'est garde la jaque dans ton inventaire. Juste pour voir si le jeu est assez intelligent pour voir qu'elle existe. Ah si, retouche, je la vois. Mais je peux pas. Vas-y, mets-la dans l'inventaire, dans le coffre du camp. Vas-y. Hop, hop. Retouche, je ne la vois pas. Ok, du coup il faut que je la prenne. Retouche, c'est bon, là il la voit. Ok, si c'est pas dans l'inventaire de celui qui forge, elle est invisible. Alors, pour la retoucher, ton armure. Ton armure, elle a pas d'étoile. C'est ça. Si je la retouche, elle gagnera une étoile. Ouais. Elle a 64 d'armure, elle passerait à 70. Ouais. Si j'arrive à... Ah, à première vue, il y a d'autres succès. Ou alors, soit il y a d'autres succès, soit on peut la retoucher plusieurs fois. C'est-à-dire que je peux faire augmenter la valeur d'armure à 77, puis à 83. Ça ne change rien d'autre comme stat, là, actuellement, dans ce qu'il est en train de me dire. Parce que t'avais déjà plus de mouvement, plus un de portée, plus un de volonté, t'avais déjà tout ça. Ouais. Ça coûte 6 minerais de fer, 5 de givracier. Oh là. Et ouais, 10 tissus et 6 de charbon. Voilà. D'accord. Non, c'était juste pour voir si on pouvait retoucher les armures qu'on drop. Et du coup, la réponse est oui, on peut. Et. Ce qui n'est pas inintéressant. Hein. Ça permet justement d'améliorer éventuellement nos valeurs d'armure. Attends. Mais attends, c'est-à-dire qu'on peut retoucher nos armes ? Oui, aussi. Alors attends, je prends le glaive du capitaine, j'aimerais juste voir. Retoucher le glaive du capitaine. Oui, ce machin, merci. Qu'est-ce que ça change ? Ah oui ! C'est pas inintéressant. Tu pourrais essayer avec ça aussi, voir si tu peux retoucher une arme légendaire. Je vais regarder. Si j'arrive à l'améliorer à 3 étoiles, alors pour l'instant elle a plus 24, alors ça serait parce qu'elle est déjà une étoile, hein, l'arme du capitaine. Ouais. Si, donc du coup je la passerai 2 étoiles, et elle passerait à plus 26 de force, et à 3 étoiles elle passerait à plus 29. Ouais. C'est pas vilain en fait. Hein. C'est pas vilain, mais ça ouais. Ça te rallonge quand même la durée de vie d'une arme, en sachant que le capitaine tape déjà comme une brute. Oui, oui. Et essaye, c'est que 3 givracies en plus dans son cas, donc c'est quand même pas. Essaye avec l'indomptable pour voir. Et j'essaye avec l'indomptable. Déjà, je peux sélectionner l'arme. Alors, je peux retoucher cette arme. Oh, bordel de merde. Et okay. Alors, si je l'améliore au max, tu passes de 41 de dex à 53. Ok, donc ça veut dire que ton marteau a deux. Et c'est de. Ah, par contre, c'est de l'acier acadien pour améliorer du légendaire. Oui, bah tu m'étonnes aussi. Mais je peux déjà du coup m'en servir, je peux déjà te le faire. Bah alors, dans ce cas-là. Fais le marteau de ta brutasse. Hein. Ah, le marteau d'os de barde. Oui, oui, carrément. Bah écoute, je te repose ça. Os de barde, le marteau, s'il vous plaît. Mais tu vois, on vient de découvrir un truc intéressant là. Ça veut dire que les armes légendaires peuvent être améliorées. Peps. Ah ouais. Le marteau de Dagan, là, du coup, il peut passer de 38 de force actuelle, amélioré au max, il passe à 49. Hein. Ça discute, hein. Ça augmente de 9. Par contre, il nous manque 11. De 11, monsieur. On passe de 38 à 49. Wow. Plus 11. Ah ouais, et c'était pareil pour ton arc. En gros, c'est plus 11, j'ai l'impression. Ouais, après, par contre, le marteau, c'est plus cher. C'est un acier acadien en plus. Nous n'avons pas. Donc il va falloir aller miner, puisque là on commence enfin à les avoir, les aciers acadiens. Ah, faut retourner. En fait, je pense que la région de base, ce qui est formidable, c'est qu'on peut aller miner. je pense qu'il y a plein de mines et c'est cool. Tout le monde adore les mines. Alors, par contre, on a un petit peu d'acier acadien, donc on peut améliorer une arme ou deux si on veut. Bah, ou une armure, des stuffs. Améliore ton truc. J'améliore quoi? Le glaive du capitaine. Oh non, j'allais dire le marteau d'os de barde. Mais je peux pas, il nous manque un acier acadien. Ah merde. On peut ouais, pas. Ouais, ok. Bah,
On peut pas. Alors si, ce que j'aurais aimé voir, c'est que du coup, c'est vrai, machin, tout ça, on peut faire ça, c'est magnifique. Mais les armes forgées par le forgeron, est-ce que ça a d'autres effets de retouche ou c'est... Ah, on peut pas retoucher. Ah bah oui, mais excuse-moi, Ah ok. Si, elle passerait à 3. C'est quoi la retouche? Il s'est passé quoi là entre les deux? 29, 10. Et elle reste à 29, 10. Qu'est-ce qui change là? J'ai pas compris. Alors je peux améliorer une lance, mais je vois pas ce que ça change. Je sais pas. 29, 10 empalement. Ok. L'arme. Tabasse à 45-55% de force, repousse la cible d'un mètre, allonge 3. 45-55, ça ne bouge pas. J'ai repoussé toujours. Ah, huile de force et huile de force, je suis à 29. 29-10, empalement. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Juste augmenter son niveau de rareté. D'accord. Ça n'a strictement aucun intérêt. C'est pas alors. Je pense que c'est pas implémenté encore dans le jeu. Ou alors okay. C'est un bug visuel et que donc il me propose pas. Je vais essayer avec une gambison juste pour vérifier que ce soit pas un bug. Ah, c'est un bug. Ok, je pensais à un bug. C'est un bug parce que sur la lance, je vois pas les améliots. Sur les lances, je vois pas les améliots, alors que sur la cuirasse, sur la gambison, je vois. Sur la gambison, à la différence d'une armure légendaire, c'est que ça augmente et la valeur d'armure et la garde. Voilà. À un prix, somme toute, très raisonnable. Bon, ça augmente pas non plus, ça casse pas des briques. Hein. Attends. Ah, la retouche. Ah non, ça n'augmente pas, ça modifie. Ah, c'est bizarre. Comment ça? Bah en fait je passerai de 17 de garde à 16. Bah je pense que c'est un bug aussi. Je pense que c'est mal branlé parce que en gros, voilà, si tu améliores ta gambison, si tu améliores ta gambison de 2 étoiles à 3 étoiles, tu perdras 1 de garde et 1 d'armure. Ouais, bizarre. J'ai pas sûr de vouloir faire ça. Ah non, attends. Je crois que dans en gros, c'est un bug affichage parce qu'on a le truc de voix. Regarde, dans le truc gloire et puissance, on a art de la forge, bonus de... Non, attends, non. Non, mais là, c'est sûr que c'est un bug d'affichage, parce que du coup, je vois pas l'intérêt d'améliorer en 3 étoiles et de perdre un de garde et un d'armure. Je pense que... J'en sais rien. C'est vraiment la stat te dit, ouais, regarde, tu vas gagner plus. Non, c'est moins. C'est la réponse, c'est moins, mec. Je sais pas. C'est bugué, ça c'est bugué. Donc ça, je vais pas aller jusque-là. Est-ce qu'il y a une armure, un truc jaune qu'on aurait envie d'améliorer? Jaune. Ah, la mata du commandant, j'aimerais voir. J'aimerais voir si ça peut m'ajouter aussi des emplacements sur mon armure. Ça n'ajoutera pas d'emplacement. Par contre, ça augmente et la garde et l'armure du capitaine. C'est marrant, ça. C'est pas mal. Et là, ça augmente vraiment. Ouais, c'est buggé parce pour que... les... C'est marrant parce... pour les non, objets. En fait, je pense que ça c'est parce qu'elle devient forgée par le forgeron. Et du coup, tu augmentes de 10% les stats. Peut-être. Oui, mais du coup, ce qui est bizarre, ce que je veux dire, c'est que les objets réellement fabriqués par le forgeron, eux, ils sont buggés. Soit tu vois pas les augmentations, soit c'est des augmentations inversées. Vous perdez 10%. Wouh, je suis trop content, mec. Ça me donne vraiment envie. Après, si on veut se faire de l'argent à l'heure actuelle, on a tellement d'huile et compagnie qu'on peut. Il y a des huiles qui servent à rien en fait. On peut vendre huile des huiles. De conversion, protection, essence pestiférée, explosive, animal, solidifiante, putride. Un bouclier de capitaine. Un bouclier de capitaine. Ah ouais. Ah, la petite rondage du défenseur à améliorer, c'est pas mal hein. C'est pas mal, hein. Ça passerait de... Parce que je n'ai pas d'étoile dessus. Je pourrais l'augmenter de 3 niveaux. Elle passerait de 17 de garde à 20 de garde et de 51 d'armure à 66 d'armure. À ce compte-là, fais le bouclier de Taurus aussi. Ça peut être drôle. Ah, le bouclier de Taurus peut être carrément drôle. Non, mais carrément. Carrément.
C'est le fun absolu, le bouclier de Taurus. Tout le monde le sait. Alors, la cloche de Taurus. Ah, non, mais la cloche de Taurus, mec, t'es là en train de me dire oui, mais la muraille, c'est un objet légendaire, monsieur. Ah oui, merde, oui. Pardon. Ah, ça coûte de la 6 d'acier, à qu'est dire. C'est... On en a 5, dommage. Voilà. Il n'y a que ton arc qui peut être amélioré à ce prix-là, monsieur. Oui, bon, je ne pas. C'est vous qui voyez. Non, non. Mais je pense que c'est tu bon. As largement assez de dext pour faire des critiques si le jeu voulait que t'en fasses. Voilà. Et ben, va pour une épée de capitaine. Épée de capitaine. Épée de capitaine. Du coup, let's go prendre 2 points de force. Mec, on a même pas terminé. Oh putain. Oh putain. Quoi? J'ai tout merdé. Parce qu'en fait, il faut vraiment forger. Et il y a vraiment un test de forge derrière. J'étais pas prêt, et j'étais en train de chill dans mais la tête. Alors, tu sais que t'es pas obligé de te précipiter dessus, tu peux le faire tranquillement sans... Si tu le laisses passer un coup, ça... Ah ça, putain, ouais mais j'y étais pas. J'étais déjà en train de me dire, oh, est-ce que je vais me moucher? J'y étais pas, mec. J'y étais pas du tout. T'aurais pu le laisser tourner en arrière-plan. Et bah merde. Oui. Mais ça a amélioré ou pas? Oui, je suis quand même passé en... une étoile. Attends, j'étais déjà une étoile. J'étais déjà une étoile. On a bouffé les ressources. Bon, c'est pas grave. On a bouffé les ressources. Ok, je... Allez, t'es prêt. Je suis à fond, je suis à fond. Tu sais quoi, je peux même sauvegarder. Tu sais quoi, je peux même charger une sauvegarde automatique. Parce que ça fait un moment qu'on est là. Peut-être que la dernière sauvegarde automatique... la dernière sauvegarde auto, c'est sur le combat. C'était il y a 21 minutes, c'est mort. sauvegarder. Début de combat, les sauvegarde auto. Ok. Retoucher. L'épée, en bien ta vue. L'avantage, c'est que l'épée coûte pas très cher à améliorer. Bah, si, quoi. Merde, j'ai raté. On va l'utiliser. J'ai raté. Bon, ça sera... c'est raté. C'est raté, restant une étoile. Ok. Bah, il va falloir que je relance. Mais ouais, elle coûte pas trop cher. Ah, par contre, j'ai gagné un bout de bois. Ça, c'est magnifique, ça. Non, son épée, à lui, elle coûte à reforger. Pas très cher, elle coûte. 3 givres acier, un peu de bois, un peu de cuir, un truc du genre. Alors, 4 de fer, 3 givres acier, ouais. 5 bois et 4 charbon. Autant dire que dalle, puisque c'est le givre acier qui coûte le plus cher, quoi. Voilà. Bon. Le truc, c'est que je vais peut-être pas faire ça en boucle avec YouTube, recharger les sauvegardes, les machins, tout ça. Mais bon, vu que ça fait déjà 1h15 d'épisode, on vous fait des bisous, YouTube. Des bisous, YouTube. À la prochaine, ciao.